McAllen, au sud-est du Texas, est la plus hispanique des villes américaines. 90 % de ses 150 000 habitants parlent l'espagnol. Nous sommes dans la vallée du Rio Grande, collée à la frontière avec le Mexique. McAllen est devenue une autoroute de migrants. Ils arrivent ici tous les jours par centaines. On les croise partout, dans les rues, au centre d'accueil, à la gare d'autobus, prêts à commencer une vie meilleure. Pidiéndole a Dios que me consiga un trabajo y poder trabajar. Nora Guerra, 24 ans, vient du Honduras avec son fils Bryson, 3 ans. Ils visent le New Jersey. Ils ont mis 3 mois pour arriver. Sí, en el camino, venir pidiendo sufrimiento con mi hijo, durmiendo en el suelo, malos tratos. Mucho. 80 % des migrants qui passent par McAllen traversent légalement, comme Nora. Ils réclament l'asile politique parce qu'ils se disent persécutés dans leur pays. Abelino arrive aussi du Honduras, où il n'avait plus de travail. Mi mujer, dos mi hijo, si para mantener ella vine acá ahorita. Il nous montre le bracelet imposé par les autorités. Les services d'immigration s'assurent ainsi qu'Abelino revienne en cours pour savoir s'il pourra rester aux États-Unis. Tous ces migrants sont accueillis à McAllen par sœur Norma Pimentel. Ici, des familles entières reçoivent vêtements, nourriture et conseils avant de poursuivre leur route. 99.9% of them has somebody in the United States where they're going. A mother, a father, a brother, an uncle, a friend, somebody. And that's why Border Patrol Immigration has given them permission to continue that process somewhere else. 100 000 migrants depuis 4 ans ont bénéficié de l'aide de ce petit centre qui déborde. Sœur Norma tente de leur redonner courage et dignité. For the very first time, they encounter here in our respite center volunteers, people who care, who offer them a smile and give them an opportunity to feel human again. Le fermier Chet Miller, lui, n'apprécie pas du tout ces immigrants, encore moins ceux qui traversent illégalement. Sa ferme longe le Rio Grande à la frontière du Mexique. Well, we've had groups up to 100 at a time, but generally it'll be like 20 to 30 in a group. Il en veut aussi aux gardes-frontières qui détruisent, selon lui, ses récoltes en pourchassant les clandestins. The Border Patrol do as much damage to my property as the illegal aliens, if not more. Does the river cause you a lot of problems? Well, it's. Chet Miller nous montre où il a vu un migrant se noyer il y a 30 ans. Oh yeah, yeah, that was years and years back, yeah. Oh yeah. Hola. ¿Qué buscas? Au même moment, deux hommes et une femme surgissent près de la rivière. Ils marchent vers nous, l'air hagard, apeuré, traqué. Mexico. Ces clandestins arrivent du Honduras, du Guatemala et du Mexique. Ils viennent de traverser le Rio Grande à la nage. Ils ont faim, froid et soif. Ils nous demandent de l'aide qu'on ne peut leur offrir. Nous pourrions, dit le fermier, être arrêtés par les gardes-frontières. Non loin de là, s'installe la puissante armée américaine. 1000 soldats débarquent dans la région à la demande du président pour protéger la frontière. Ces militaires semblent s'ennuyer pour l'instant. Surtout que l'invasion annoncée par Donald Trump n'aura pas lieu au Texas. La caravane de migrants se dirige plutôt vers la Californie. As they come into this region in support of the Customs and Border Protection Agent mission. Les dirigeants du camp peinent à justifier leur présence massive. Ils n'ont, selon la loi,
aucun pouvoir pour arrêter les migrants. No, we don't need the military. Nous n'avons pas besoin de l'armée, dit le maire de McAllen. Il n'y a pas d'invasion ici. Tout ça, ajoute-t-il, c'est du spectacle. What I think they need to know, I think they need to go to Washington and work it out. You know, come to a compromise on immigration so it's a clear message. Jim Darling est fier de sa ville qui aide les migrants. McAllen, dit-il, est une des villes les plus sécuritaires aux États-Unis. Sometimes we will, for political reasons, make it sound like an invasion so that it can stir up fear, you know, and make people be afraid of children and moms. You know? Comment avoir peur, dit Sir Norma Pimentel, d'êtres humains qui souffrent? La peur et la violence se trouvent surtout du côté du Mexique, où les cartels de drogue terrorisent les populations. L'immigrant croisé près de la rivière ont fui cette violence. Ils nous supplient de ne pas les dénoncer. Ils se sont fait dire qu'ils pouvaient se cacher dans une maison tout près d'ici. They're looking for a house right down the river here, and it's always that story. They get lied to. C'est toujours la même histoire, constate le fermier. On leur a encore menti. Ces trois migrants ont franchi la frontière illégalement et pourraient être déportés. Ils se sauvent en courant, à la fois si près et si loin de cette terre promise dont ils ont tant rêvé.